Et coucou Laura, bondé de retour sur Another Crab Treasure du Bikini Bottom dans Monster Dark Soul. Et on avait fait des trucs un peu secondaires. Là, on va reprendre le chemin de l'histoire à peu près. Hop. Ça fait quoi ? Inflige des dégâts sur la durée à l'ennemi piégé. Les ennemis restent piégés plus longtemps, tous les dégâts qu'ils subissent sont augmentés. Ouais, ça peut être drôle ça. Il manque pas grand chose hein, pour être full. Petit gain de niveau là. Et surtout on va aller. On va aller à Bas de Corail. Voir cet incroyable forgeron. Il faut un forgeron classe et j'avoue, il est ultra classe. Il y a un petit côté avec sa moustache, je sais pas, on dirait un croisement entre Porco Rosso et un crabe quoi. Non, il me fait. Non, c'est l'autre du voyage de Chihiro, l'araignée. Ah, mais c'est une ref à l'araignée du. À celui qui s'occupe des fours dans le voyage de Chihiro, plus. Il lui ressemble de ouf, non? Donc regardez bien, j'avais une fourchette. Oh! Oh! Oh, le niveau 5, il est incroyable! Elle est magnifique! Oh, je suis en mode Poséidon! Oh, j'adore! Lui, tu vois, je sens que ce connard va y avoir un bail, il va fusionner avec sa voiture. Je sais pas quoi comme connerie, mais... Attends, pourquoi il y a un indicateur... Avant, il y avait un indicateur à haute corail, maintenant, il y a un indicateur à bas de corail. Il y a des trucs à bas de corail qu'il faut que je trouve. Peut-être. Rien du tout. Rien du tout à bas de corail. Je n'avais pas capté. De quoi? Si, si, mais avant il y en avait deux. Et j'étais en mode, bah c'est débile parce que... en fait les indicateurs... MDR. J'avais pas vu qu'il était derrière lui. Check c'est toi hein. Fils d'up. Ah t'as loupé, j'ai acheté tous les skins chez K, je crois t'es arrivé après. J'ai acheté toutes les skins et toutes les coquilles qu'il y avait d'achetables. La bouche d'évacuation, l'insondable, c'est ça le plateau de l'ermite. Ouais, vas-y. Ok, bon bah on est parti hein. À l'aventure compagnon. Vers les anciens temples aztèques du polystyrène. La distance était pas là. Hop, un peu de yolk. Je vois des ennemis en hauteur. Il y avait une barre de vie qui a disparu et j'ai entendu un cri. Il y a un mec qui a essayé de me choper. Il avait 450 points de vie, mais je crois qu'il est tombé dans le vide. Toulou. Je suis riche de thalassé. Prochaine zone est une des plus drôles du jeu, j'espère que tu vas aimer. Ah ouais? Ensuite on n'a pas tous le même humour mais... Je vous vois hein, je vous vois les... Mmh.
Et encore un niveau, hein. Ça ressemble de plus en plus à une arme ultime. Ah, ça va sortir en temps plastique full polystyrène. Ah non, ah non, 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 oui, j'avais oublié. J'ai oublié comment ça marche. Mal. Pour l'instant, j'aime beaucoup les zones, hein. Ce qu'ils proposent, le jeu, moi je kiffe. Putain, je me suis fait avoir comme. J'arrête de regarder le chat, putain, tout le temps. J'ai servi de petit plateau de fruits de mer là pour un gobu gobu. Ah, 450, je le vois le deuxième. Je le vois en haut, celui qui a essayé de me choper et qui m'a pas chopé en fait. Ouais, je vais pas le chercher. J'ai ma coquille qui m'attend. Hop. Cette fois, je me ferai pas avoir. Non, 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 ma coquille! Ah oui, c'est vrai, tu m'as dit. Ah oui, l'autre technique. Je me suis pas fait avoir techniquement. MDR, on essaie de le choper par la lanterne, j'avais pas capté les premières fois. Même sur tentacule, si je gère. J'ai pas d'objet. Pas comme les mimiques, c'est nul. Qu'est-ce que je fais, moi? Il y a pas besoin que je le... Vous avez vu le guet, là? Il y a un guet juste là, là. Non? Ah non. Ça ressemblait à un guet, une souris. Petit plomb plus. Là, on voit l'autre partie sur laquelle on est allé. Ma canette ne marche bientôt plus. Je suis en vitesse. XP. Est-ce que j'ai vraiment besoin de l'XP? Hop. Ouais, j'ai vu le chemin, je peux y retourner après. Je vois tous les ennemis qui m'attendent. Pleine abyssale. Oula, what? Ah, bah ça, c'est un crabe araignée mangeur de cadavres australien, ça je reconnais. Wesh, j'ai pas lancé le Zelda. Ah ouais, d'accord. On va clairement très vite lui régler son compte, parce que ça va être très relou. Il me vise toujours là. Il me vise toujours là. Ça a l'air immense encore. Petit canard. Miam, allez, enjoy. Parce que tu crois que je vais pas me le faire. C'est le premier truc que je vais me faire. Ça a combien de points de vie? 7000. Je suis sûr que je peux me le faire.
Faut pas que je vise ces merdes en fait. Faut que je vise ces putains de pattes. Ah le bâtard! Ah ouais, faut peut-être que je trouve le feu avant. Ok, j'étais peut-être été un petit peu présente. Je... Il m'a fait oh my fucking world. T'as fait silence, ouais, de ouf. Je me suis dit, faut pas que je le regarde. Bah en fait, fallait que je le regarde parce que j'ai pas vu son attaque résultat. Silence Brand. Attends, c'est une ref, mais je l'ai pas. Ou je l'ai eu un jour et je l'ai plus. Oh, faut que je me le fasse, il va être trop chiant sinon. Mais il faut que je trouve le, il faut que je trouve une natis. Parce que le chemin il va être chiant. Ouais, 20 000 d'XP. Faut qu'il y ait une natis là-dedans là. Une natisse dans le coin là. Là il y a des cosses, là il y a des cristaux. Putain, petite merde. Elles ont volé loin vers l'infini. Ok, là je reviens là où j'ai looté mes trucs. Il n'y a pas l'air d'avoir quoi que ce soit par là. Est-ce qu'il y a un indice sur le fait qu'il y a une natisse? Ouais, oh, il est lourd. Il y a forcément une natisse dans le coin. Putain, il y a, ouais, non mais ciblage auto-guidé nique quoi. Ah ouais, mais il marche vite. Trouver une natisse. Une Natis, looter en même temps. Oh, il y en a plusieurs. Ah, mais quel enfer du cul. Non. Oh, quel enfer. On peut pas m'atteindre là. Un petit sachet. Ah c'est cool, résultat vous m'avez mis des mobs sur le compte lesquels je peux pas les utiliser. Oh, oh une Natis. Ok, et après je peux aller leur faire le fiac. Pas des yeux avec écoute silence Brun. C'est un mème d'un crabe qui tire... ah d'accord. Je fais que courir en fait, je vais pas assez vite pour ne pas... Non.
fait, c'est toi qui me fais chier là. En fait, si je me débarrasse de toi, y'a plus rien en fait, y'a R. Let's go! Ok, il y en a un deuxième, on va se le faire. On tape, faut juste faire gaffe à son finish move. Genre suis là quoi. Non. J'ai plus. Il m'a niqué mes cosses. Je rêve ou il m'a niqué mes cosses. Ou je les ai perdus sur le précédent. C'est possible que je les ai perdus sur le précédent. Let's go, le deuxième. Merde, il faut les tuer pour le 100%. Je suis dans la merde. Ah. Bah en vrai, si tu, quand tu trouveras la tentacule... Je sais plus où je l'avais trouvé, mais... Quand tu trouveras la tentacule, ce sera plus simple. J'imagine qu'il y en a pas qu'un. J'en vois qu'un bouilli... Ah, en plus, il y a des arbres avec plein de conneries dans le genre. Faudrait que je trouve une thalassée, là, mais... Ils ont dû mettre de la thalassée un peu partout. Il y a des arbres, il y a des coraux avec plein de... Avec des petits bâtons, exactement comme... comme eux, pour donner l'impression que c'est des endroits dangereux. Alors qu'il y a des chances que non. Mais très fun, bonne idée les crabes araignées de la mort. Ça fait très droïde trooper, très droïde Star Wars. Très curieux du bruit. Le petit bruit là avant le laser, il est ultra intéressant. Ça fait très horloge, mais... hein, c'est intéressant au niveau du game design. Est-ce que si je rentre, ils reviennent? Est-ce que c'est nul? Gain de niveau. Oui. Ah ouais? Non, non, tu trolls, c'est des mobs uniques. Regarde, il n'y a plus personne. Tu vois... Je me déteste. Je me suis saoulé. Comment ça, le deuxième, il est là? J'ai envie de canner. Arrête de bouger, putain! Ah, ah. Non, mais non! Putain! J'ai envie de... Je me casse.
Je me casse de cette zone. Vous m'avez saoulé. De toute façon, il n'y a plus rien. Je vous ai buté. Vous avez plus rien dans votre zone. Je dois aller ailleurs. Il faut que je trouve un passage. Il y a un passage quelque part. Tu me vois là? Vraiment? Vraiment là sur le... Là vraiment tu me laisses pas le temps de sup là. Je peux pas me... Je peux pas te chiller sur mon filet. Ah. Où le chemin? C'est par là en fait. Enregistrer ma dernière position où j'étais safe. J'ai envie de canner. Bon, ça va, je vais perdre juste 9000. Laissez-moi respirer, s'il vous plaît. Bon, de toute façon, j'ai fait les deux, techniquement. Par là, le chemin? Ça n'a pas l'air d'être par là, le chemin. Je comprends pas où je dois aller. J'ai vu le raccourci, mais s'il y a le raccourci, c'est qu'il doit y avoir un autre passage un peu mieux. Ah, il y a d'autres... Ah non, il y a les crochets qui sont juste derrière. Okay. Oh, il y en a d'autres. Oh. Meilleurs instants sur Zelda. Hein. Lâche ma gueule. L'explosion est légèrement violente. Il va chercher son pote en fait. Oh, il y en a plein. Est-ce qu'il prend les dégâts aussi? Ah, il prend les dégâts hein. Il prend les dégâts de ses potes. La science, il faut que je les bute. J'adore ce jeu. Il m'a hypnotisé, putain. Bande de sacs à merde. Alors on hypnotise les gens. Sans leur consentement, bien sûr. Vas-y, viens, mon ref. Viens là. Viens là, viens là, viens là, viens là.
Allez, à plus. Et demain. Il en reste plus que 3, ça va. Ça devrait aller, ça devrait le faire. Par contre, pas deux fois, toi. Vraiment, ils ont mis un combo de mobs insupportable. Eux, ils attaquent à distance, ils t'hypnotisent. Ils restent dans leurs pattes, c'est infernal. Ferme ta gueule. Le temps que ton hypnose marche. Oh non, j'ai aggro les deux. Ça va être impossible. Impossible les deux. Les deux, c'est impossible. Sur la pente. Ok, j'en ai un près de moi. J'en ai un près de moi. Ok, il est un peu effrayant. Il est légèrement effrayant. J'ai failli mourir là. Arrête de bouger tes pattes. Ok, deux. Ils ont quand même une portée max. Viens mon ref, avant que je loot. Viens. Une portée max qui se réduit quand même assez vite. Je suis toujours planqué derrière le même caillou. Vas-y, viens là. Vas-y, je fous ma clope tranquille. Donc il approche. En fait, j'essaie de l'approcher pour pas qu'il aggro d'autres mobs. Let's go les trois. Bon, maintenant il s'agit de pas mourir pour pas gâcher tout ce qu'on vient de faire. Genre là il y a du danger, là et là il y a du danger. Je vois qu'il y a du danger. Plein de mobs. Quoi ça?
J'irai un pot en terre. Non. Non, non, tu m'hypnotises pas, mon ref. Y'a pas de ça. Ouf. Viens là. Ah la pêche chaud, sèche, sèche, sèche. Oh, des petites sèches grillées là. Avec une petite marinade là à l'espagnol. Relique inoxydable. Ouais, j'en ai quelques-unes là, je crois que j'ai trois clés. Je crois il m'en faut 5. Ou il m'en fallait 4, je sais plus. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Il y en a au-dessus de moi. Je pensais pas venir ici, l'aggro. Au secours. Il est juste là. Ah, il peut m'atteindre presque. Quel enfer. Beaucoup de monde par là, là. Il me suit, l'autre. Ah, il est toujours là, il veille. Déjà, je l'ai lavé aussi facilement. Oh oui. Spirale de l'ancien monde. Attendez, il y avait le truc là-bas que j'avais pas de check. Oh, c'est qu'une conserve. Déçu. Ok, ok. Donc il y en a encore un autre à se faire. À un moment, on le sait. Vous êtes beaucoup trop nombreux pour moi là. Laisse-moi respirer. Un petit doigt des sables. Juste pour la thalassée qui m'intéresse.
Ok, on est reparti. J'ai vu un hypnotiseur, j'ai fait non. Non, non, c'est bon. Est-ce qu'il vient vers moi là? Est-ce qu'il peut venir vers moi, SVP? Il y a peut-être moyen que je prenne l'hypnotiseur dans un coin. Peut-être moyen que je prenne l'hypnotiseur dans un coin. L'hypnotiseur dans un coin. Viens par là, là. Viens là, viens là, viens là. Est-ce qu'il se rapproche au moins? Je le vois pas avancer. Je le vois pas du tout avancer, cette caméra. Oh, il s'est shooté lui-même. Vas-y, viens, 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 viens. Putain. Ce serait con de se roll la game sur ça. Ouais, peut-être moyen de... Oula, 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 oula. Il a l'air bloqué. Il a pas l'air de vouloir avancer. Je l'ai fait bugger en fait en tirant un endroit... Vas-y, viens, 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 viens. Ah, MDR, ça c'est drôle. Ok, vas-y, il va se faire... Vas-y, fais-toi hypnotiseur, ma gueule. Je te l'offre. Un cadeau. Oh, il est en train de me tuer. On est censé être du même côté. Je me suis pris une potion pour rien. Allez! Let's go! Techniquement, j'ai bien nettoyé la zone. Bah oui, bien sûr. Ok, y a rien d'autre ici de caché. Si, y a ça.
Il y a un truc. Cet endroit, on est d'accord, il y a un skip là. Ça, ah, le skip, je peux le prendre d'ici, d'accord. Ah mais c'est vraiment le chemin, c'est par là. D'où la présence du skip. Ok, donc de l'autre côté, en fait, il y avait peut-être un truc à récupérer. Ça continuait de l'autre côté, mais je pensais que c'était le chemin principal. En fait, non. Une petite bouteille d'Actimel. Là, il y a l'air d'avoir un chemin, mais c'est un chemin secondaire. Bon, au pire, j'ai le skip et je peux me re-TP à une Natis. C'est un skip. Ah, mais attends, je suis déjà passé par là. Oh. Oh, des cotillons. Trop bien. Ok, résultat, j'atterris. Ah, et là il y a Pépé. Ok. Je ne vais pas rentrer tout de suite pour pas faire respawn les connards. Je pense que c'est une idée plutôt raisonnable. Maintenant que j'ai lutté à me les faire. J'imagine qu'il y en a encore. Mais très intéressant comme mob. Mais très relou. Relou, surtout ils ont bien pensé le truc pour que ça soit très relou. Ils ont mis des petits crabes furtifs, des poissons hypnotiseurs, comme ça si t'es au milieu d'eux et que t'essaies de te battre, hop, petit coup d'hypnotisme, tu te prends les pattes, tu te prends l'ulti, tu prends la nique. J'ai pas voulu faire ça, mais j'ai pas appuyé sur la gâchette, mais on va dire que oui, peut-être que je l'ai frôlé. Je vois un truc au loin là dans l'ombre. Je sens le truc sale là ici là. Spoilé par la lentille. Ah ouais non mais attends. Excusez-moi parce que je vois beaucoup de points de vie. Bonjour. Pourquoi il y a autant de points de vie sur... Ah, on peut lui parler. Ah non. Ah, MDR. Wesh. Gitane, vous êtes vivante? Tu pensais que je me laisserais tuer aussi facilement? Qu'est-ce qui t'amène si loin dans la profondeur, vagabond? Ah, je suis toujours à la recherche d'un trésor, un trésor d'un autre genre. En effet, alors tu l'as senti toi aussi, la puissance qui se tapit ici dans ces profondeurs. C'est le genre de pouvoir que je recherche. Je dois mettre la main dessus. Je l'utiliserai pour apporter la ruine aux tyrans de cet océan. Ah, pas si je le trouve en premier. Ah! Bien dit, c'est le bon état d'esprit, petit parjure. Si nous sommes destinés à nous affronter, alors nous le ferons. Non pas en tant qu'ennemis, mais en tant que dignes rivaux. En avant, le destin n'attend pas.
il a un téléphone sur lui en fait. Ah d'accord. C'est bizarre ça. Bizarre ces points de vie. Bizarre. Bizarre où il n'y a que moi. C'est chelou cette zone. Trop bizarre. Ça ressemble à une zone qui pourrait être une zone de combat de boss. Il y a un... Il y a elle là. Bon, est-ce que je peux utiliser... Là, je peux l'utiliser et je vais faire respawn les autres derrière, c'est pas grave. Maintenant que je suis devant. Tout niveau. 73 000 boss. Niveau 50, hein. Techniquement, il a pas bougé. Putain, j'avais pas sauté. Je me suis dit que j'avais pas besoin de sauter. Tendance à vouloir me déplacer dès que je respawn. Avant de voir où est-ce qu'ils me font respawn. Rapidement, allons au jardin de Topeda. Voilà. Bon bah toutes les compétences que j'ai, en tout cas je les ai améliorées. Le géant endormi, ça veut dire qu'à un moment il va peut-être se réveiller quoi. Toujours endormi. Déception. J'ai envie d'aller dans la boîte, mais je sens que c'est une mauvaise idée. Ah non. C'est quand même une mauvaise idée. Je suis à moitié bloqué maintenant, c'est ça? Peut-être à moitié bloqué. Non, ils ont pensé le truc. Ils savaient que les joueurs étaient trop couillants. Et qu'ils allaient sûrement y aller. Ouais. Oui, oui. Ok. Ah, il y a le haut aussi. Ah, j'avais pas vu le haut. J'avais vu que le bas. Ah oui, on est clairement... il y a beaucoup de coquilles gratuites, là. And you're certain we're going the right way? How should I know? Think I spend my weekends here, do you? Ah, MDR. Well, then what the shuck am I still paying you for? Matter of fact, we're in this mess cause you couldn't defeat a damn lobster. Good for nothing. I should have left you on the seabed where I found you, you little... Ah. Eh? Ah, putain, il a des fusils cotillons. Enjoying the spoils, are you, lad? Proud of what you've done? Look, man, I don't want anything from you. Please just leave me alone. I don't want to fight anymore. Please leave me alone. I don't want to fight anymore. But fight ye did. Just like me. Just like old Linkerton. And down here we've both drifted. Two worthless sinners. Right where we belong. The bottom of the train. Ok, bon, bref. Con.
Hop, viens par là. Ah ouais. Ah le bâtard. Ah ouais, tu peux... Ah le bâtard. Attends, je viens de penser à un truc. Ça, je vais pas l'utiliser parce que c'est trop pété, mais ça. Vas-y, viens, on va se marrer. Viens, mon loulou. Viens par là, là. Viens là. Hop. Ah non, c'était un imparable! Connard! La technique, hop. Non, la technique, non. J'ai paniqué, je voulais une... Ah putain, c'est dommage. Ah, le first strike qui passe tellement loin. Voulez-vous après, ouais. C'est trop drôle la pince. Ah non. Non. C'est moi qui t'attrape. Putain, fils de pute. Vas-y, viens là. Reste plus qu'un coup. Hop là. Ah, c'est... Tous les pouvoirs sont pétés, hein. Pollution éliminée, let's go. Relique inoxydable. Et un peu de vie... Non, je suis déjà full. Putain, il y avait ma coquille qui était là. Hop. Pouf. Trop bien, Calmarius. Très chiant.
Distance, cac. Ses coups au cac sont un peu lents en fait. Donc c'est... Mais il y a un temps... comme le timing est pas rapide, il est un peu chaud à caler. J'ai pas fait beaucoup de perfect paris. Oh, ma boule ma petite boule disco, elle a pris trop cher. Elle a déjà été réparée une fois, non? Ah non, pas sur cette run. Pas sur ce try. Ah oui, changement de zone, carrément. Ok. Ah. Ah, j'ai cru que c'était quelqu'un. Voilà. Je ne peux pas affirmer avec certitude ce qui nous attend, mais c'est le seul moyen d'avancer, c'est d'avancer. L'aspire parfaite est à portée de pince. Comment le savez-vous? Qu'est-ce qu'on fait là? On dirait un coup de sac. C'est un verrou, mon cher ami. Verrou qui ne peut être ouvert que par deux Bernard l'ermite comme toi et moi. Hein? Qui peut bien concevoir un verrou qui ne peut être ouvert que par des Bernard l'ermite? Qu'est-ce qu'on a de si spécial? Mon cher petit... Un jour, peut-être, je saurai faire comprendre l'importance de tout ce qui a été perdu. Mais pour l'instant, je crois qu'il te faut le voir de tes propres yeux. Viens, et comme moi, mets ta queue dans le trou. Oh, je mets ma queue dans le trou, mais d'habitude, il n'y a personne qui me regarde. Ok. Ok. Avec la petite traînée de flab là. Ouais, j'ai dû mettre du temps à construire parce que ça c'est pas du déchet, ça c'est un truc qui était là quoi. Oh. Ok, le vieil océan. Ah mais c'est All Blue. On a trouvé All Blue, Sergi. Ah, c'est du corail blanc et tout. La pureté. Souviens-vous, cher, dire que j'ai l'honneur de poser les yeux sur cet endroit. La spire parfaite repose quelque part dans les parages. Je vous appelle. On appelle tous les pagures de l'océan, tous ceux qui veulent voir ce monde retrouver sa gloire d'antan. J'ai pas le moment de ralentir, nous sommes sur le point de changer le destin de ce monde. Ok. Allons changer le destin de ce monde. Et il se passe quoi sur Terre pendant ce temps-là? Oh, une natisse. Oh non, mais il y a plein de chemins. Ah voilà. Ah bah j'ai tourné en rond. Je me dis, mais qui est cet ennemi? Putain, c'est Nuts, je crois, ça me rappelle Subnautica un peu. Ou un autre jeu. Peut-être Subnautica, ouais. Il y a plein d'endroits encore. Une éponge bleue. Je croyais que je pouvais monter dessus, putain. Non, c'est du PQ. Si je monte dessus, il s'écroule. Ah, c'est pour un skip plus tard. Oh. Nouvelle coquille découverte, MDR.
sais pas. Mais c'est une coquille nulle. Dispositif anti-armite, autrefois utilisé par ceux qui craignaient la montée en puissance de ces crustacés. Aucune capacité. Cette coquille ne dispose d'aucune capacité. Et ça se relâche la pression. J'ai quoi comme malus? J'ai un malus blanc là, mais... Ah, techniquement, j'ai pas de coquille, quoi. Ah, faut que je fasse gaffe au sol, c'est ça? Il me faudrait une vraie coquille, peut-être? Ah, ça m'empêche de pouvoir changer de coquille, peut-être, pendant un certain temps. Aussi. J'aurais des touches de clavier. J'aime pas les forêts. J'aime pas les forêts quand je peux sauter. Voilà, j'aime pas les forêts pour ce genre de truc. Dans... je suis à 8 la charge d'une mamie. Pas mal. Nouvelle coquille découverte. Tube de médicaments. Imprègne votre corps de nutriments sains. Restaure vos PV sur la durée. Okay, donc là, je peux faire ça. Bien sûr que j'ai envie d'aller par là. Déverrouiller le skip là, c'est ça j'imagine. Qui êtes-vous? Ça fait très crabe de glace. What? On dirait des proto-crabes. Carcasse de crabe. Nul votre protection. Ah putain, ah d'accord. Ah oh, il sort de sa... Ah oh, c'est horrible. Il sort de sa coquille en fait, putain. C'est pas un mec qui était... C'en était pas un qui était caché, c'est juste il est sorti... Oh, une vraie coquille. Mais non, mais... Oh, déception. Déceptionne. C'est des bâtards. Est-ce qu'il y a un objet que je verrais pas en haut? Non, ouais, ouais. Il y a quoi en dessous? Parce qu'on était au fond de l'océan, dernière nouvelle. Donc sous l'océan, il y a un autre océan. Viens là, viens là. Bien sûr que j'ai envie de me perdre dans la forêt de corail. Même les petits sortent des plus gros. Vous êtes allés trois là-dedans, ça veut dire.
ils sont vénères. Ma boule disco me manque. Hop, viens là. Putain, mais tu me saoules. Eh, mais ils me saoulent. Ah, ils sont durs. Si c'est la dernière zone aussi. J'imagine que c'est pas la dernière zone. J'imagine bien. De ouf. Oh, je vois du PQ ici. Comment je récupère le PQ? Ah mais attends, je peux le récupérer comme ça. Bah oui. Ultra doux, molletonné, roulé boulé. Petit marteau. Ils font flipper de ouf. Ah, depuis tout à l'heure, j'ai pas de marteau, je suis en mode épée, je fais beaucoup moins de dégâts. What? Attends, mais je suis allé où là? Attends, il y a 10 000... 10 000 chemins. Ça a l'air d'être un raccourci ou je ne sais quoi. Oh, c'est un gant, j'avais pas vu. Bonjour. Ah, vous êtes trop lent, de toute façon, j'ai pas à vous battre. Oh. Il y a un truc à faire avec les bulles de savon. Sa valve m'intéresse. Viens là. Sa valve est plus intéressante. Hop. Le PQ en guise de marteau, c'est parfait. Je suis pas à fond. Ah! Hop là. Ouais, je les ignore un peu. S'ils ont pas... S'ils ont pas les étiquettes... Bon, ensuite, c'est sûr, avec le marteau, c'est plus simple à affronter. Là, il sort. Hop. Bienvenue. Au revoir. Thank you.
Ça, ça a l'air secondaire, ouais. Bernard, le plus plus, moins 10 en def, moins... Ah non, moins plus 20 en def. Hop, parfait. Gestion de chemin incroyable. Ils sont tous à 500. Bouchon de détergent. Ça fait quoi? Attaque surprise, ouais. Ouais. Bon bah je suis obligé de me le faire, il bloque le chemin, j'ai pas le choix. Bienvenue. Quelle heure? 19h23. Pas trop que je gride. PQ. Toujours plus de PQ. Hop là. Il y en a encore un à côté là? Ah oui, il y en a encore un, je l'avais pas vu. Pardon, excusez-moi. Esquive! Esquive, connard! Ça a l'air tout le temps immense. Qui arrive. Ah, ça me fait quand même les points en fait, même si je me le fais pas en entier. Oui, il y a un objet là. Comment je grimpe? Ah. Comme ça. On voit pas comment grimper facilement. Putain. Putain. Au secours. Pas saoulé. C'est un abandon. Là c'est possible de grimper, mais... Bonjour, vous ne m'intéressez pas. Je vous ignorais complètement. Vous allez faire votre vie de votre côté, hein. Ok, là je suis au-dessus des bouteilles. Bon, bah autant tout. Je suis bord-bord. What?
Docteur Creel. Il existe des certes des poissons chirurgiens, mais savent-ils opérer? Ok, alors l'autre truc, c'est secondaire. La flamme vient d'arriver dans le port, je suis MDR, le réa du programme de direct doit être en PLS. Ah, parce qu'il est pas... Pourquoi il est... C'est catastrophique? Ça se passe mal? C'était plutôt que prévu? Ah putain. Des plans de pied en mode merde, mauvaise cam. Non mais c'est impossible, il est pas simple à cadrer. Ils ont 1000 cam. Ah. J'imagine. Ok, cette coquille de Natis, c'est bon, c'est fait. Pince universelle, 20 000 microplastiques, let's go. Ah merde, y a pas eu de plan où il allume la flamme. Ah merde! C'est con ça! C'est con! Genre, c'était le plan le plus important ou quoi? Merde, y a pas eu la passation. Ah c'est débile, c'est con. C'est dommage. Il prend le feu dans la boîte. Ah c'est con! Ah c'est nul! Y aura peut-être des... Bah, résultat... Ah comme c'est comme ça, résultat, le direct, ils ont pas le bon plan. Mais pour les rediffs, normalement, il doit avoir le record quand même. Je sais pas comment ils ont fait leur compte. Peut-être qu'il a mis une caméra. Il arrivait pas à être bien placé. Peut-être qu'il a mis une caméra, en fait, où, au début, il y avait la flamme. Et quand il l'a mis, en fait, le mec avait basculé. Il n'y avait plus la flamme. Que c'était un début de plan et au final il s'est dit non, ça va pas être sur moi, hop, il range la cam. Manque de communication souvent. Ah, c'est un dernier château quoi. On va se rendre dans cette ville? Bien sûr, j'imagine que ça c'est dangereux, non? En effet, mais vous avez cul de sang autrement, mon garçon. Je vais admettre ou non, tu es un aventurier dans l'âme. Tu aurais jamais pu quitter cet endroit. Kenny, tu ne t'es pas contenté de rentrer chez toi, Bruto. Tu as de l'ambition. Ouais, ouais, peut-être. C'est l'ambition qui nous a guidés jusqu'ici. J'en sais, j'ai quoi le plus. La flamme a 6 minutes de vie. Quoi? Tous les 6 minutes, ils doivent changer le flambeau? Non, c'est débile. J'ai l'impression qu'il y avait plus de 6 minutes à chaque fois. Il nous faut combattre la satisfaire avec vous. Toujours si tu vas qu'on fasse. Je te retrouve à l'intérieur quand tu auras passé les porte-paroles de crustacés. Bon, on va s'arrêter là. Oui, c'est dingue. On va s'arrêter là et puis on va passer sur les tests indés que je dois faire. Vite fait, on va voir. Excusez-moi, je savais pas que j'étais dans Elden Ring en fait. Eh ben on va s'arrêter là et puis je me laisserai cette partie à mon moi du futur. On va faire ça. Ouais, ça me paraît pas mal. Ça me paraît très pas mal. Ça va être de l'huile ou un truc du genre. Ils viennent de changer là. Alors du bateau, à partir du bateau, je veux bien, mais ouais, je sais pas. Je trouve ça bizarre. Ça avait l'air de durer à chaque fois. Enfin bref. Sur ce, la redive, je vous fais des gros bisous salés. N'oubliez pas les recettes, les cuisines. Ferme l'emporte. On se retrouve bientôt pour la suite de nos aventures sur Another Crab. Jésus.